C'est Kairos, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Minecraft pour le 10e épisode de Tilted Tower. Donc les gars, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur Tilted, c'est le moment d'y retourner. Donc on va commencer sans plus attendre, vous allez déjà me sélectionner de l'andésite poli comme d'habitude. Et on va se faire quelques petits trottoirs puisque, comme on le voit, on a pris un petit peu de retard avec ça. On les a complètement oubliés. Là vous allez prendre de l'andésite et vous allez me faire des petits trucs bizarres, comme ci, comme ça. On va partir de là, tac, hop, et puis là on va faire en sorte que, hop, ça rétrécisse un petit peu. Puisque vous saviez qu'il y a les grandes montagnes de chaque côté. Ce qu'on va faire, c'est, on va prendre des repères, donc. Moi je vais en prendre de mon côté. Pour vous dire comment faire. Donc là on va partir d'ici. Donc là vous venez ici et là vous allez compter 13 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Donc là vous portez vous posez un bloc d'andésite normal hein, comme ça. Et puis vous allez aller sur 15, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est très simple, vous allez reposer de l'andésite sur environ 9, je dirais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'en enlève 1. Voilà, donc là on en a 9 sans compter celui-là. Hein. Vous en rajoutez 9 comme ça. Et puis c'est bon, donc là, comme ça on a à peu près notre point de repère, tout ça. Et puis là on va essayer de faire venir, voilà, comme ça, pile poil. Hop, et puis là ça sera 9 ici, c'est pas grave. Donc là vous faites un peu au pif, hein, bien entendu, hein. Vous n'êtes pas obligé de refaire exactement comme moi. Donc là c'est 9 comme ceci. Et puis, une fois que vous avez fait ça, donc là, vous allez aller sur plusieurs blocs ensuite. Nous allons dire sur 28 blocs. Donc là à partir de ici. Donc là vous voyez qu'il y en a déjà il y en a déjà 3. Je dirais ouais 3. Allez on va partir de 4. Depuis ici, tac, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà, donc là 28 blocs, c'est nickel chrome, donc là c'est ouais, c'est vraiment parfait. Pour la suite, on va aller sur 37 blocs, donc là on va partir comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là on a nos 37 blocs, c'est parfait. Et vous voyez qu'on atterrit normalement en face du tunnel. Donc c'est synonyme que c'est parfait. Ensuite, bah, pas besoin de vous dire, de compter les blocs à peu près. On va juste, hop, relier cette partie-là par rapport, hop, au tunnel. Voilà, donc là c'est parfait. Et on peut commencer du coup notre bâtiment juste ici. Voilà, donc là c'est le bloc de départ, le bloc de repère de notre bâtiment. Pour construire ce bâtiment, je vais regarder les petites photos. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut des briques. Elles sont où? Elles sont là. Donc là vous prenez des briques. Ensuite on va prendre du quartz comme ça, du quartz en pilier là, un truc comme ça. Ensuite on va prendre ça, briques de pierre. Et puis on va terminer en prenant des blocs de quartz sculptés. Je pense que ça fera largement l'affaire. Ça c'est parfait, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous manque uniquement les demi-dalles. Et puis on va pouvoir partir à la guerre avec tout ça, hein. Allez, c'est parti, on commence notre bâtiment de cet épisode. Peut-être qu'on en aura deux, je sais pas, je verrai comment que ça se passe. Donc comme d'habitude, hein, on commence nos piliers, tac, tac et tac. Parfait. Donc ensuite, on se décale ici, tiens ça va changer, 1, 2, 3, 4, 5.
Donc là, on met nos 5 blocs comme d'habitude. Tac, les deux blocs de devant pour les piliers. 1, 2, 3, 4, 5, une nouvelle fois. Hop, on fait notre pilier, ne l'oubliez pas. Ensuite, on va partir avec de l'andésite. Quoique, on va rester comme ça pour le moment. Du coup, là, on recommence nos murs. 1, 2, 3, 4, 5. Un pilier d'angle, comme ça, vous mettez un bloc unique, c'est-à-dire comme ça, en diagonale tout seul. Et on refait 5. Tac, donc là, c'est parfait. Notre pilier, tac, 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 tout est bon dans le cochon. Et puis, on peut enchaîner une nouvelle fois, donc sur 5 blocs, toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Vous faites votre pilier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Et vous faites vos piliers sur les deux derniers blocs. Nickel chrome. Passons au derrière de ce bâtiment. Donc le derrière, toujours assez basique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Pilier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Pilier. Voilà qui est parfait. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Pilier. Tac, tac. Voilà, parfait. On arrive pile poil en face. Donc c'est ce qu'il fallait. Et puis la dernière façade qui est toujours aussi basique, hein. Sur 5 blocs, oula, où c'est que je partais, bon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Le pilier. 1, 2, 3, 4, 5. On va y arriver. Et voilà, donc là c'est parfait. C'est parfait, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il fallait. C'est vraiment ce qu'il fallait faire. Donc je suis assez content. Maintenant, on va partir en hauteur. Donc la hauteur, elle se trouve sur 5 blocs pour les murs comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 blocs. Et pour les piliers, ce sont 6 blocs. Mais au pire, vous savez ce qu'on va faire? Mettez tout sur 5 blocs. Donc là, tous les blocs qu'on vient de poser, vous les mettez sur 5 blocs de hauteur et je vous promets que vous galérerez moins avec ma petite technique. Donc voilà, une fois qu'on a posé sur 5 blocs de haut tout le tour de notre bâtiment, on va repartir tout simplement en posant un bloc comme ceci et on va suivre tous les piliers. Donc c'est-à-dire que l'on doit passer une fois au-dessus de tous les piliers. Tac, voilà, donc là c'est parfait. Pour faire notre corniche habituelle, hein, vous voyez ce que je suis en train de vous parler pour ceux qui suivent le tuto à la lettre. Donc tac, 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 c'est parfait. Et on fait tout le tour du bâtiment comme ceci. Donc voilà, dernière ligne droite. Hop, c'est parfait. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc déjà, on va aller dans cet angle-là. Donc là, une fois qu'on est dans cet angle, on va prendre quelques matières comme de l'andésite. Ouais, on va prendre de l'andésite tout de suite. Donc l'andésite, on va la placer comme ceci et comme cela. Tac, ça vient jusqu'ici dans le coin. Ensuite, les demi-dalles, tac, vous en posez une couche, deux couches. Pareil de ce côté, une couche et deux couches. Et ensuite, vous posez, hop, de façon à faire un rebord. Tac, voilà, parfait. Ensuite, les blocs de piliers de quartz. Vous les posez, hop, comme ceci, juste en dessous de l'andésite. Voilà, qui est parfait. Et puis là, vous faites un angle, hein, comme on a l'habitude de faire. Tac, 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 tac. Qui descend jusqu'au sol. Hop, voilà, c'est parfait. Un bloc de plus, y a pas de problème, nickel. Du coup, là, ça ressemble à quelque chose, mais pas trop. Et du coup, on va continuer notre bâtiment. Du coup, pour continuer ce bâtiment, il faudra faire dans un premier temps. Attendez que je réfléchisse un petit peu. On va prendre les piliers de quartz. Donc là, il y aura bel et bien un pilier. Là aussi, et en fait, tout au-dessus, enfin, tout où c'est qu'il y a des piliers de briques, vous aurez un pilier de quartz. Donc là, tac, 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 ici c'est pareil. Donc là, on revient où c'est qu'on a fait notre petit agrandissement, on va dire ça entre parenthèses. Donc là c'est parfait, on a un angle comme ça. Donc là hop, un petit truc ici et puis le tour est joué. Donc là c'est nickel chrome. Le problème c'est qu'il faut placer maintenant les blocs de quartz
De quartz. De quartz sculpté. Putain, on va y arriver. Tac, donc là, on vient ici. On prend un petit coup de potion pour ceux qui en ont besoin. Et puis là, on va faire tout le tour du bâtiment en quartz sculpté. Tac, comme ça. Donc là, vous repassez vraiment partout, 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 partout. Hop, au-dessus des murs de briques que l'on avait fait au préalable. Donc tac, ici on revient ici et ici on revient ici. Parfait. Donc là on a fait un grand tour de notre bâtiment. Donc qui est pas si grand que ça au final, hein, mais ça reste un bâtiment un petit un moyen bâtiment. Voilà, voilà le nom. Donc là je pense qu'on va faire un mur de 13. Donc partout où on a posé de comment ça s'appelle? Du quartz sculpté, on va partir sur 13 de haut. Donc là, on en a déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc là, vous allez mettre tous les murs en quartz sculpté. Vous allez les mettre sur 13 de haut, comme je viens de le faire sur ce pilier. Donc les gars, une fois qu'on a fait nos petits murs, on va juste faire un petit truc pendant que j'y pense. Donc là, on va enlever les corniches. Tac, voilà. Et puis on remet du béton noir à la place, hein, comme on a l'habitude de faire pour les toits de Fortnite, hein, tout simplement. Hop, tac, c'est nickel. Et puis on va terminer les piliers. Donc les piliers, bah, eux aussi, vous les montez sur 13 de haut. Donc maintenant qu'on a terminé nos piliers, on va venir n'importe où sur quel mur. Donc on va prendre celui-là par exemple. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Et au septième bloc, on pose un bloc n'importe lequel. Juste pour avoir un repère. Et là, vous posez au sixième bloc vos piliers de quartz tels quels. Tac, 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 tac. Et vous faites tout le tour comme ceci. Du coup, au sixième bloc. Et j'en profite aussi pour vous parler de ma dernière ou avant-dernière vidéo. Je me souviens plus. J'avais fait le dur burger de Fortnite et qui est assez réaliste, qui avait été fait par un abonné. Donc je vous conseille d'aller le voir, il est super sympathique, surtout si vous aimez la série Tilted Tower, il va très certainement vous plaire. Tac, donc là on a terminé notre tour de corniche, on va dire. Du coup maintenant ce qu'il reste à faire c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc voilà pareil ici. Là vous avez 6 blocs, c'est parfait. Du coup, il faudra juste remettre comme ça les piliers. Donc là, hop, on refait un tour assez basique comme ceci. Donc, bien entendu, hein, quand vous passez au-dessus de chaque pilier, hein, comme je viens de vous le dire, vous en remettez des normaux. Donc, vous les mettez debout, pas allongés comme on le fait pour les corniches. C'est juste que ça va plus vite et j'ai pas envie de me faire chier pour poser les corniches. Ça dérange pas vraiment de les poser allongés, très, très honnêtement, ça crée même un petit style, on va dire, mais bon, c'est pas le problème. Du coup, pensez bien à mettre vos piliers debout et non pas allongés, et surtout à rajouter un bloc, du coup, comme ils étaient uniquement sur 13 de haut et que la corniche est sur le 14e bloc, du coup, en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc en fait, de toute façon, si vous avez fait comme je viens de faire dans la vidéo, c'est tout bon. Maintenant, on va prendre un petit coup de popo, de la potion. Là, on prend notre andésite poly. Et on va faire le tour de ce bâtiment, tout simplement. Donc une fois qu'on aura fait le tour en andésite poly, on reposera deux couches de midal. Et puis ensuite, on fera le rebord. Voilà, donc on a fait notre petit rebord habituel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelques petites fenêtres tout de même. C'est un petit peu plus sympa quand il y a des fenêtres quand même. Du coup, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prenez des vitres noires. C'est assez sympa, je trouve que ça passe partout. Hop, vitres noires. Donc là, on va juste faire un truc, on va inverser les blocs pour aller plus vite. Voilà. Vous mettez deux briques de pierre dans chaque sommet de fenêtre. Tac, tac. Là, on va pas en faire une. On va refaire la même ici, pourquoi pas. 4 comme ça et 4 comme ça. On pose les trois vitres. Et le tour est joué. Parfait, parfait. Ensuite, ici dans l'angle, on va peut-être en faire une petite ici, pourquoi pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop, hop.
Voilà, qui est parfait. Et ensuite, on va peut-être en faire ailleurs aussi. Comment on pourrait faire? Et là, je vois qu'il y a une erreur en plus. Je vois que je me suis trompé. Du coup, c'est pas grave, on va juste rattraper ma petite erreur. Là, vous cassez le mur ici. Tac. Voilà, là, vous le démontez carrément. Donc là, hop, on enlève cette partie du mur aussi, hein, toujours pareil. Tac. Pareil pour les petits rebords ici. Je suis vraiment désolé, les gars. Après, ça revient à peu près au même, hein, il n'y a pas grand-chose à casser. Du coup, là, vous cassez, 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 hop, jusqu'à ce pilier-là. Donc, tac, là, vous allez casser une nouvelle fois. Ensuite, je vais me mettre par en dessous pour aller plus vite, là. Tac, 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 tac. On enlève tout le mur, les piliers, ainsi que les petits rebords, voilà, avec les demi-dalles, tout ça, tout ça. On enlève tout. Voilà. Et normalement, il vous reste que ça. Une fois qu'il vous reste que ça, vous enlevez également ici pour faire votre pilier d'angle. Tac, tac. Hop. Voilà, qui est parfait. Et pareil ici, du coup, hein, bien entendu. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, votre pilier d'angle est fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On va prendre de l'andésite. Donc l'andésite, on la pose hop à même la corniche, tac ici. Et on repasse une nouvelle fois avec les demi-dalles comme d'habitude. Une deuxième fois aussi. Et puis on repasse pour faire les petits rebords, tac comme ça et comme ça. Voilà qui est parfait. Du coup, là c'est très simple. Vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Pareil ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, on va y arriver. Et les piliers qui viennent, hop, ici tout seul. Hop, hop, voilà. Je voudrais juste le mettre debout comme ceci. Voilà, nickel. Et les piliers qui viennent terminer le boulot comme ceci. Donc là, bien entendu, vous remontez jusqu'au-dessus. 4, 5. Et 6, voilà, comme tous les autres murs que l'on a fait. Là, pareil, 2, 3, 4, 5 et 6. Parfait. Les piliers, hop, comme ceci, en position allongée, c'est pas grave. Tac. Et on repose du béton noir, un petit peu à la même hauteur que l'andésite. Tac. Ça va être parfait, du coup. Voilà, donc là, on repose le béton noir. Comme on en a l'habitude de faire. Tac, 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 tac. Il reste un petit bout de rien du tout. Et le tour est joué. Voilà. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Du coup, bah, bien entendu, vous refaites ici. Hein, ça va avec l'un. Ça va avec l'autre, je veux dire. L'un va avec l'autre. Putain, on va y arriver. Hop. Deux demi-dalles, hein, les gars, toujours comme d'habitude. Tac. Tac et tac. Et on finit avec nos petits rebords. Parfait. Ça c'est nickel. Donc là on va faire notre fenêtre ici. 4 blocs ici, 4 blocs ici. Tac, tac. Et on pose les vitres. Tac, parfait. Ensuite on en fait un petit peu ici. 4 ici, 4 ici. Oh là là, quelle connerie que je viens de faire. Tac, tac. Et on repose nos vitres par-dessus. C'est parfait. De ce côté, de ce côté, de ce côté, on pourrait faire des fenêtres. Ouh, j'ai eu la flemme d'en faire, en plus c'est chiant d'en faire. On va en faire ici, on va en faire ici. Voilà, tac, tac. Ici, ici, et puis hop, on va faire ici, comme ça fait pas trop vide à chaque diagonale. Vous voyez, à chaque tac, tac, c'est nickel. Ah, puis on va pas faire les feignants, on va rajouter un troisième mur de fenêtre, on va le mettre ici, je pense que ça ne choquera pas trop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc deux blocs ici. Hop, de toute façon c'est la dernière façade après. Tac, tac. Ensuite on passe ici, donc devant ça a déjà été fait, oui c'est bon. Du coup on va en faire une en plein milieu, ici, plein milieu au-dessus. Hop. Vous mettez les briques de pierre, hein, toujours pareil, je peux. Je vais pas vous répéter 15 fois comment faire des fenêtres et puis une dans chaque diagonale, donc une en bas et une en bas, enfin une en bas à gauche, une en bas à droite. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tac. Et puis les dernières fenêtres que l'on pose juste ici en bas à droite, ça fait plaisir.
Hop, 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 et hop. Voilà, parfait. Donc là, notre bâtiment est terminé. On va prendre de la potion de rapidité et on va remplir tous les trous qu'il y a en andésite. Donc ici, 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 partout, partout, partout autour. Donc voilà, on a tout rempli les trottoirs. Maintenant, on va faire un petit truc assez simple. Vous avez sélectionné le béton gris clair, voilà qui est fait. Normalement, on va faire un petit truc. C'est que si vous partez de là, donc... ah bah non, en fait, il faut que je me mette à la même hauteur. 1, 2, 3. Oh là là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, parfait. On a nos 20 blocs. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait entre les deux. Je vois que là, je n'ai pas terminé complètement le boulot. Donc n'hésitez pas à repasser en andésite juste ici. Ah oui, il manque même pas mal, pas mal, pas mal de trucs, hein, vraiment. Donc là, ici, pareil, on repasse. Hop, hop. Donc là, vraiment, tout le trottoir, on le termine. Et ensuite, j'ai vu que le seuil de porte, il manquait quelques petits blocs également. Donc n'hésitez pas à en replacer 3. Histoire de faire propre, hein. Déjà qu'on ne fait pas l'intérieur, faites propre vraiment. Et puis ensuite, je crois qu'il manquait cette petite espace-là, donc rebouchez-le et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici aussi, on ne l'avait pas rempli juste à côté de ce bâtiment. Donc remplissez le trottoir et puis le tour est joué. Donc maintenant qu'on a fini ça. Alors vous voyez toute cette grande zone là où on a mis hop, les 20 blocs comme ça, hop, tout ça, jusque là-bas au fond, on l'a rempli en béton gris clair. Donc voilà les gars, à quoi ressemble Tilted au jour d'aujourd'hui. Maintenant il nous reste la dernière étape à faire, donc remettre du béton noir au-dessus, au même niveau que l'andésite, et le travail sera fini. Donc le toit est terminé, la route est posée, le bâtiment est construit et Tilted prend vie. Donc vraiment, ça devient ouf, enfin assez ouf quand même, point de vue ressemblance, tout ça. Et là, il nous reste quoi? Il nous reste les 3 épisodes pour terminer tout ça. Et puis, ça en sera fini de Tilted. Donc vraiment c'est super, ça devient vraiment très 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 réaliste. Donc j'ai hâte de finir cette série et j'espère qu'elle vous plaît toujours autant en tout cas. Et je voulais vous dire merci, merci, merci infiniment pour les 1000 abonnés, les 2000 abonnés pardon. Donc je vous en remercie du fond du cœur, merci à tous et j'espère que l'on continuera sur cette route-là. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao bye tout le monde, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas louper la suite de notre aventure. Tchou tout le monde.